Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo, ménage du mercredi. Mais avant de commencer, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit, c'est gratos. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification juste en bas pour ne rien manquer si je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mon Instagram, c'est la Diva Rebessim. Sur Snap aussi, c'est la Diva Rebessim. Sur manger et puis j'ai déposé mes enfants à l'école. Dans mon retour, je fais quelque chose pour moi à manger. Je mangeais, je crois, du riz. Vous voyez, les pondou est là. Avec le plantain, je fais les plantains vite fait. Je tout laisser pour aller au rendez-vous. Là, je suis de retour, donc je vais nettoyer. Donc, je vais vous amener, vous voyez ici, dans le coin café. Donc, je vais débarrasser tout ça là. Je mets en bas, ça, c'est pour tailler les crayons. Et tout est bazar. Je vais vous montrer de loin. Et en tout cas, merci. Alors, la table, c'est un peu désordonné, voilà. De l'autre côté, vous voyez, ça ne manque pas à cause d'Eliana. Il joue toujours avec le blanguette. Ici, c'est pas vraiment trop sagiste de mettre chaque chose à sa place. Vous voyez même les riz. J'avais des rendez-vous et puis déposer les enfants à l'école, aller chercher. Parce qu'aujourd'hui, c'est mercredi, donc c'est demi-journée. Fini à 11h40, je suis quitté là où j'étais. Et puis aller à l'école chercher mes enfants. Ils sont déjà là à la maison. Et là, maintenant, je vais faire mes tâches ménagères rapidement, comme vous pouvez voir. C'est pas trop ça, j'avais fait le ménage hier soir. Et donc, voilà, cette vidéo, j'allais poster ça depuis, j'avais fait ça après la décoration du verre. Mais j'avais perdu aussi quelques parties. Quand j'essayais avec le montage, je trouve que pas mal, je peux poster. Et c'est pour cela que je postais. Je voulais aussi poster ça, c'était hier, lundi. Et sauf que ici à l'école, et chaque semestre, on donne le poème, le book pour les enfants, pour les étudiants, les élèves, lire ça pour, je pense, un mois. Et après, ils vont aller présenter ça à l'école. Donc, les parents, vous êtes obligés. C'est pas obligatoire si tu veux d'assister ton enfant. Donc, j'étais à l'école pour assister mon fils. Et pour Yaya, si j'ai dit. Alors, et quand j'ai fini, j'avais des choses à faire, je n'ai pas posté. Et vidéo, oh, ça m'a tellement dérangé, puis c'est un akande, je me suis dit, non, on tient au cas, bon, on tient à YouTube, alors, et c'est pour cela que j'ai posté ça. Et normalement, troisième jour, après deux jours, troisième jour, et je poste une nouvelle vidéo, sauf imprévu, et plan d'anglais à Bongo. Deuxième jour, troisième jour, tant au coup, t'as fait ta vidéo à Sika, sauf imprévu, parce que des fois, on a pensé occupé dans ma mbibela au sala. Alors, c'est un peu ça. Next vidéo, je vais vous présenter mes fauteuils. Ils sont déjà là. J'avais réussi ça depuis le 13 avril. Donc, next vidéo, sauf en prévu. Voilà, je vais vous présenter mes fauteuils. En tout cas, là, je vous laisse avec les images. Donc voilà, souvent, je ne fais pas ça tous les jours, mais si j'ai remarqué, il y a des trucs comme le papier, comme ça, je préfère passer un coup de balai avant de passer l'aspirateur, comme vous pouvez remarquer. Donc, je passe d'abord le balai pour ramasser, vous voyez, tout ce qui est déchets, papier. Souvent, il y a des trucs, on peut passer l'aspirateur et ramasser à thé. Donc voilà, et là, je finis avec le balai.
Et là, je passe un coup d'aspirateur. Et donc, voilà, de l'autre côté, comme je vous avais dit, les coins préférés de mes enfants. Mais là, je suis en train de préparer, et pardon, de nettoyer. Et je lui ai dit d'aller faire l'air homework et là-bas à côté. Et donc, voilà. Là, je finis, je suis dans ma cuisine. Tout ça là, c'est le matin, les jus. J'avais laissé toutes les bouteilles des jus. Et puis, j'avais fait sortir les poulets dans ma maison. Le poulet là, mon fils aîné, puis leur papa. Oh là là, poulet ou rien. Donc, voilà. J'avais laissé les jus, les cartons des jus, tout le papier du popcorn, tout j'avais laissé en tout cas. Et j'avais laissé la maison. Et trop, il y a trop de bazar, surtout ma cuisine. Et là, maintenant, vous voyez, j'ai ramassé tout ce que j'avais laissé en désordre. Je remis chaque chose à sa place. Je remis le bouteille au frigo et tout. Et là, je suis en train de nettoyer les assiettes qu'on pouvait voir. Donc, je vous laisse avec les images. Et donc voilà, comme je vous dis toujours, moi j'aime utiliser les sachets et si je finis, je jette ça directement. J'aime pas garder la poubelle à la maison. Donc voilà. Et donc voilà, pour mon réchaud, j'utilise le Pink Staff. Savon liquide et puis adjust. Ça nettoie très très bien aussi le réchaud, ça donne l'éclat, hein, c'est comme mignon. Et là j'ai écrit Jésus gagne toujours, hein. Ça c'est notre devise, Jésus gagne toujours. Et donc voilà. Et voilà, comme je vous avais dit, je perdis quelques parties, comme à la fin, cuisine tour. Et puis, la recette que j'avais fait à la fin, je perdis ça. Mais on va faire la recette là, peut-être
plus tard. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et pourquoi pas de partager la vidéo. Partager la vidéo pour soutenir votre sœur et partager la vidéo pour annoncer la bonne nouvelle. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que le bon Dieu vous bénisse. Bisous. Bye.